Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo différente, toujours sur Rainbow Six Siege. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'a été soufflé par l'un de mes collègues pendant le déménagement. On était en train de virer des cartons et tout. Il m'a dit, écoute gros, j'ai une super idée. Est-ce que tu te souviens des séries que tu faisais sur Division et sur Ghost Recon Phantom quand tu essayais de donner un coup de main aux gens? Pourquoi pas reprendre depuis le début un guide complet sur Rainbow Six Siege? Alors, je sais, pendant que je vous parle, j'avais pas trop d'idées de format, donc du coup, je vais laisser dérouler une compilation de kills derrière. J'espère que ça vous dérange pas, comme ça, vous pourrez éventuellement profiter d'un beau gameplay derrière. Je vais vous souffler l'idée. Je vais peut-être partir sur un truc tout simple, reprendre depuis le début sur un format d'une 10-15aine de vidéos des guides complets sur Rainbow Six Siege. C'est un jeu qui prend de l'ampleur, vous avez l'air d'y être vachement accroché, vous appréciez en général beaucoup les guides, etc. machin et tout. J'ai toujours été dans tout ce qui était tutoriaux, astuces, guides et compagnie. J'ai toujours apprécié aider les gens. Je trouve que c'est un côté super gratifiant en fait, sauf quand t'as un trou du cul qui insulte gratuitement dans les commentaires, mais ça, il n'y en a pas beaucoup des gars comme ça. Ce que je voulais vous dire du coup, c'est que je prévois peut-être de faire entre guillemets un book, de repartir sur une école, pas au format Salty Academy où je vous ferai des trucs réguliers en mode je suis un professeur, j'essaie de vous instruire, plutôt un guide pas à pas, step by step, en commençant épisode 1, je sais pas, trouver ça sans si, épisode 2, je sais pas encore comment je vais l'organiser, je dis des trucs au hasard, hein. Le choix de ses opérateurs, l'épisode 3, l'organisation et le team play, épisode 4, le gameplay en fonction du choix de son personnage, etc. machin et tout, et avancer step by step, faudra que je fasse encore le cahier des charges, je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais voir. En tout cas, voilà, faudra me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, et surtout si ça vous plaît, franchement, moi je demande qu'une chose, si ça vous plaît, vous me pétez cette barre de like. Là, il faut péter cette barre de like si ça vous plaît. Là, il y en a marre des 2-3 000 likes, etc. machin et tout. Pétez-moi cette barre de likes, ça changera d'habitude et ça fait super chaud au cœur. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez éventuellement une idée ou tout simplement des idées en tête d'épisodes que je pourrais caler. Un peu comme fait Antox Colaboy avec ses mes chers non-abonnements, ses abonnés qui lui disent tel et tel personnage, lui va voir, etc. machin et tout. Vous pouvez éventuellement faire la même chose sur cette chaîne YouTube. Me dire voilà, écoute, moi je pense que du coup, comment faire une stratégie, ça pourrait être cool parce que moi je sais pas comment faire une stratégie avec mon équipe, on prévoit faire ça et ça. Du coup, on a besoin de faire des strats, mais on sait pas trop comment faire. Et du coup, tac, il y a un épisode sur création, mise en place d'une stratégie, création, utilisation d'une stratégie, tu vois, un truc du style. Ça pourrait être super cool. Donc vraiment, j'aimerais que ce soit évolutif, j'aimerais pouvoir m'appliquer, faire un beau branding autour, un beau design, faire les choses proprement. Donc ça sera des vidéos vraiment travaillées que je réaliserai sûrement après tout simplement mon emménagement, parce que là, je dois vous avouer que c'est vraiment le bordel. Il n'y a plus rien dans la piole, je sais pas si vous l'entendez en vidéo, mais ça résonne à mort, il n'y a plus rien. Même là, le poster derrière, il n'y a plus de poster, il n'y a plus rien, c'est terminé, j'ai tout enlevé. Ça me fait un peu chier parce que j'aurais peut-être pu l'utiliser encore pour d'autres décors. Du coup, si jamais vous voulez un poster Gears of War, il n'y a pas de problème. Non, je l'ai cassé en fait. Tu peux pas récupérer le poster parce que je viens de le casser. Donc, à part mes badges, là j'ai encore 2-3 badges de la Paris Games Week. 2 badges de la Paris Games Week. Un badge du Six Invitational. Là j'ai le badge du Six Invitational encore. Et celui de la Gamer Assembly, je vais faire la collection et je vais accrocher tout ça à côté du cadre YouTube des 100 000 abonnés. En attendant celui du million d'abonnés, si vous m'aidez justement à y accéder. Donc on va commencer tout proprement, je vais repartir sur des trucs qui m'avaient fait kiffer complètement à l'époque avec Ghost Recon Phantom. Faire des guides, je sais pas si vous vous souvenez de mes guides sur Ghost Recon Phantom, mais j'étais super jeune. Ils étaient tout pétés, mais comme j'étais le meilleur joueur européen, tout le monde m'écoutait. Alors encore une fois, je vous le répète, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur joueur du monde. J'ai pas gagné de Pro League, hein. J'ai pas fait de Top Pro League, j'ai pas gagné de championnat du monde, mais avec l'expérience que j'ai acquise, le niveau que j'ai acquis, le chemin que j'ai fait, tout simplement mes heures de jeu, les grosses équipes que j'ai affrontées et les conseils de mes mates qui sont quand même double champion du monde, top 4 PL, d'anciens joueurs de PL, etc. machin et tout, je me dis que peut-être éventuellement j'aurais peut-être beaucoup de choses à vous apporter pour des simples joueurs qui ont envie de... pas dans le sens vous êtes des teubés, vous valez rien, simple dans le sens où vous avez envie de jouer en ranked, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais vous avez peut-être envie de devenir meilleur.
Voilà, un peu comme Fortnite. Du coup, je me dis pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice et vous donner un coup de main concrètement à vraiment devenir plus fort. Sur vous faire comprendre que R6, c'est pas seulement un jeu de shoot, c'est de la méthodologie, c'est du travail, c'est de la prise de ligne, c'est des stratégies, c'est de la connaissance de cartes, c'est du brain, c'est de la réflexion en fonction de quel opérateur a été sorti, qu'est-ce que je peux faire comme action, qu'est-ce qui a été ouvert, par où est-ce que je peux passer, où eux ils passent, donc moi qu'est-ce que ça me laisse comme porte, etc. machin et tout, quel OPG et avec quel device je vais pouvoir travailler, quel est mon point fort, quel est mon point faible, etc. sur des situations bien spécifiques et surtout en fait développer votre prise de décision, votre avancée tactique sur la carte et tout ce genre de choses quoi. Donc là-dessus je me dis que j'ai peut-être réellement quelque chose à vous apporter et je voulais vraiment vos retours parce que pour moi c'est super important et c'est un projet de ouf, ça en a pas l'air comme ça. Je vous connais les titouans là qui vont être dans les commentaires qui vont faire gnou 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 Witcher c'est pas bien gnou 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 parce que tu fais trop le top et t'as pris la grosse tête et tout. Non, c'est vraiment de bon cœur que je vous le propose et c'est un gros projet qui s'amorce parce que ça va quand même. On part quand même sur une base de 10 vidéos qui sont super serrées, entre 10 et 15 minutes, avec un format bien spécifique, éducatif, où je vais tout le temps parler, avec des clips bien spécifiques, des actions bien spécifiques que j'aurai cherchées, avec des personnes spécifiques, etc. machin et tout. Donc, ça va me demander un travail monstrueux, et j'ai pas vraiment envie de le faire dans le vent. Donc, en gros, ça sera comme un livre, ça sera un book d'une dizaine de vidéos que vous pourrez partager avec vos potes, échanger. Ça vous donnera, en fait, je pense, les bases de tout. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de bosser, donc vous l'avez vu, comme je l'ai dit encore une fois, je suis loin d'être le meilleur du monde, mais je suis loin d'être le plus pourri aussi, quoi. J'ai mon petit niveau, faut quand même le reconnaître, je me suis fait ma place maintenant, j'ai bien monté, et j'en demande encore, plus ça va, plus je m'améliore, et plus j'ai envie de vous donner un coup de main, en fait, j'ai toujours été comme ça, j'aimerais bien vous donner un coup de main comme j'aurais aimé qu'on m'aide au début, en fait, parce que moi, à chaque fois, je sais pas comment je me débrouille, mais que ce soit sur YouTube, R6, ou tous les jeux compétitifs, toutes les scènes compétitives sur lesquels j'ai commencé tout seul, hein. Il n'y a jamais eu personne autour de moi pour me donner un coup de main, j'ai commencé tout seul. Dans la demeure, j'étais personne à nager comme ça dans le caca, c'était assez impressionnant. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas être l'accompagnement, l'aide que j'aurais voulu avoir justement. Et ça pourrait être cool pour vous. En tout cas, voilà, faut me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Moi, je suis carrément chaud pour le faire, et je pense que ça pourrait être une bonne chose. Si vous avez quelque idée que ce soit de série, d'épisodes tout simplement pour cette série que j'ai envie de mettre en route, commentaire, pétez-moi cette barre de commentaires. Vous le savez, je lis les commentaires, hein, j'apprécie tous les commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que ça reste constructif et que c'est pas du bashing, hein, et le reste ça sera à moi de gérer derrière. Non. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout simplement de cette petite idée. Moi je vais encore travailler dessus, sur le sujet, etc., pour pouvoir justement vous proposer la meilleure qualité possible, le meilleur format possible. Et de toute façon, vous le savez, je suis un bosseur, donc je vais travailler dessus. Au début, on m'avait proposé de le faire payant, entre guillemets, de m'ouvrir une plateforme, un portail, sur lequel, par exemple, j'offrirai les 3 premières vidéos gratuitement, et ensuite, je ferai payer tous les épisodes après. Genre, si tu veux t'abonner à la newsletter, en gros, tu payes genre 10 ou 20 euros par mois, et t'as accès à 2 épisodes par mois, tu sais, genre, pour fidéliser les gens, rentrer un peu d'argent et tout. Mais j'ai pas envie. C'est con, hein, je pourrais me faire masse de blé, mais j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie parce que j'ai envie que ce soit éducatif plutôt que lucratif. Bon, j'ai quand même envie que ça me rapporte un peu de thunes, hein, je vais pas te mentir. Mais la simple monétisation sur mes vidéos, ça m'ira très bien. Donc ouais, on va faire comme ça, je les distribuerai gratuitement. Je vais faire toute une playlist sur YouTube, on va se mettre ça bien en place, on va faire les choses proprement. Et vous m'en direz des nouvelles derrière. Et si ça vous plaît, une fois qu'on aura terminé celle de R6, pourquoi pas faire une série justement sur Fortnite. Moi qui commence à devenir vraiment vraiment chaud, qui ai vraiment bien repris le jeu en main, qui sait un petit peu ce qu'il fait maintenant, je me dis que peut-être, en fait, réellement, et c'est peut-être là où est ma place sur YouTube, justement, je cherchais toujours ce que je pouvais faire sur YouTube, peut-être que c'est là qu'est ma place. Peut-être que c'est là qu'est ma place. Je dois devenir fort, plus fort que tout le monde, pour aider les autres à devenir plus forts. Ça, je sais faire, je l'ai déjà fait sur tous les jeux sur lesquels je suis passé. Pas parce que je suis meilleur que les autres, parce que je travaille plus et mieux sûrement que 80% des gens. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place, on va essayer de voir tout ça ensemble, on va essayer de faire tout ça correctement ensemble, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que vous avez kiffé, même si c'est très simple pour le coup, j'ai pas forcément le temps de faire plus compliqué, mais l'initiative est là, hein. J'avais vraiment envie de faire un truc sympa sur lequel on pourrait discuter, débattre, et puis
bah, tout simplement construire quelque chose, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même que ça vous plaise, autant qu'à moi, ça me plaît de faire ces épisodes-là. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, et surtout, les gars, en route pour les 300 000 abonnés, là, la chaîne, elle ralentit, il faut me la faire décoller. Vous prévenez les copains, ta grand-mère, tu la chopes, tu cliques sur le bouton t'abonner, c'est super important, tu t'abonnes, c'est gratuit, tu t'abonnes. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour cette petite vidéo et pour cette petite idée. Surtout, moi, je vais vous faire des bisous du coup, parce que bon, bah, faut que je parte, quoi. Je vais manger après avoir fait le montage et tout. Si tu veux, je te raconte un petit peu ma vie, hein, parce que ce soir, je vais manger des haricots, tu verras, ça sera super sympa. Je t'enverrai peut-être un snap aussi, si éventuellement, t'as envie de partager mon assiette avec moi. Et puis, du coup, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Salut, moi, c'était White Shark. Et puis, si jamais, j'ai encore un focus. J'ai encore un poster de God of War si tu veux. Mais attends, je vais te donner la moitié parce que. Tiens, parce que un entier en fait ça fait beaucoup. Tu le veux pas ?